les premières journées parlementaires du nouveau centre. Quelle est votre impression sur la journée ? J'ai une impression très positive de cette première, dans la mesure où c'était l'occasion de nous rencontrer entre parlementaires qui avons fait le choix de cette appartenance à la majorité présidentielle, conservant nos valeurs, et une excellente impression parce que nous avons ouvert ces journées aux élus locaux, aux maires, aux conseillers généraux, aux conseillers régionaux, et que nous retrouvons ici de très nombreux collègues du terrain. Voilà. Et nous avons, depuis cette matinée, de très intéressants échanges sur tous les sujets d'actualité, de la politique, aussi bien locale que nationale. Le sentiment que j'ai, c'est que nous avons un parti qui naît de l'initiative de députés, relayé par un certain nombre de sénateurs, que nous sommes un parti qui est ouvert aujourd'hui pour l'essentiel à des élus locaux, et que nous voyons arriver maintenant des militants d'une façon plus conséquente que ça n'était le cas dans l'été. L'UDF a vécu une période de difficultés, de troubles, de repositionnement de ses adhérents et, il faut bien le dire, une division entre différentes stratégies, non pas une division sur le fond, mais une division sur l'attitude à adopter à l'égard du gouvernement et du programme du chef de l'État. Donc le nouveau centre, comme vous le savez, a fait le choix d'être utile, a fait le choix de soutenir le programme gouvernemental tout en ayant une attitude à la fois constructive et vigilante. Et maintenant, nous nous apprêtons à organiser dans les départements les fédérations et bientôt à ouvrir le siège de ce parti. Donc nous sommes dans une phase, je dirais, prometteuse, une phase de construction, et ce nouveau centre n'est pas aujourd'hui complètement achevé, puisque si les statuts ont été déposés, si les parlementaires sont là, si un certain nombre d'élus locaux l'ont rejoint, il reste à élargir le cercle, et notamment en direction des militants, pour que, je dirais, vers la fin de l'année, nous puissions, dans la quasi-totalité des départements, avoir construit les assises du parti, des fédérations départementales, et ainsi avoir parachevé la création de ce parti nouveau. Voilà, je dirais que l'objectif, c'est qu'à Noël, tout soit en place. Mais déjà, ça fonctionne, et déjà, nous travaillons sur, aujourd'hui, les grands sujets d'actualité, que sont la question des institutions, les problèmes qui touchent au climat et à la santé, les grands sujets d'éthique, et puis bien sûr la dette et le pouvoir d'achat des Français.